hello, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, voici un nouveau cours de hongrois. Je sais, ça fait longtemps. Et je suis en Suisse, toujours. On va apprendre les métiers en hongrois, parce que c'est vrai que c'est important de les connaître, pas seulement parce qu'on veut en faire un métier, mais aussi pour prendre les rendez-vous, parfois. Ça peut être intéressant de connaître quelques mots. Je vais faire trois vidéos différentes sur les métiers, comme ça il y en aura beaucoup plus à apprendre et à connaître. On va commencer par le médecin, orvos. Orvos. Orvos, le médecin. Après, le dentiste, fogorvos. Fog, c'est la dent, fog. Et orvos, c'est le médecin, donc c'est le médecin de la dent, le dentiste. Fog, orvos. Fogorvos. Après, on va par exemple parler du coiffeur. Fodras. 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 Le coiffeur. Après, on a le cuisinier, le chef. Sokács. 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 Après, on a par exemple le serveur. Pincér. 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 Le serveur. Après, on a par exemple le cordonnier. Cipész. 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 Le cordonnier. Cipő, c'est la chaussure. Cipő. Après, on a par exemple la secrétaire. Titkárnő. Titkárnő. Nő, je ne sais pas si vous vous souvenez de mes autres cours, mais ça veut dire femme. Titkár, ça peut être utilisé sans le nø derrière, si c'est un secrétaire, ce qui est relativement rare, mais ça existe. Donc, il faut quand même le souligner. Mais titkárnő, c'est la secrétaire. Titkárnő. Titkárnő. Et les métiers, alors il y a plusieurs manières de le dire. Szakma, szakma, c'est un métier. Szakma. Sinon, il y a aussi foglalkozás, c'est ce avec ce de quoi on s'occupe. Foglalkozás, donc c'est un métier. Foglalkozás. 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 Donc c'est aussi un métier. Et állás, c'est plus un métier dans le sens un job, quoi. Állás. 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 Voilà, j'espère que cette leçon vous aura plu. Et à très très bientôt pour un nouveau cours de hongrois, soit sur les métiers, soit un autre. Je ne sais pas dans quel ordre je vais vous mettre les vidéos. Mais voilà, à bientôt. Ciao, bye bye.